Yo l'équipe, c'est Pirate, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, les gars, on se retrouve pour une petite vidéo de fin d'année. Enfin, du coup, début d'année, tu vois, t'as capté parce qu'on est le 1er janvier. Mais en gros, dans cette vidéo, on va retracer l'année 2021 avec les meilleurs TikTok que vous m'avez envoyés sur Instagram et sur Twitter. Donc, merci à ceux qui ont participé, ça fait grave plaisir. Donc, j'ai liké tous les TikTok que les abonnés m'ont envoyés. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir participé à cette vidéo. Donc, les gars, avant que la vidéo commence, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche pour rien louper. Petit pouce bleu. Commentaire, ça fait grave plaisir. Et là, t'es au top. On est parti tout de suite avec la vidéo, les gars. J'espère que vous allez kiffer. Let's go! Du coup, la famille, on est parti tout de suite pour aller sur TikTok et regarder les TikTok des abonnés que vous m'avez envoyés. Donc, c'est les meilleurs TikTok de l'année 2021 pour retracer cette année 2021 qui s'est conclue hier. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, les gars, pirate-du-byt, n'hésitez pas à vous abonner. On a 40 000 abonnés sur TikTok. Donc, voilà. Si vous n'êtes pas abonné sur TikTok, je vous invite à vous abonner, tout simplement. Donc, j'ai liké tous les TikTok des abonnés. Et maintenant, on va regarder le premier TikTok qui est un TikTok avec un montage Fortnite. Donc, on va regarder ça tout de suite. Là, j'appelle SFR. La musique Fortnite de l'époque. Là, je suis en train de les appeler, je peux leur dire que ça va caloter, c'est mort là. Là, ça va chier là. Tiens, c'est, j'ai une bonne femme. Oui, bonjour. C'est ça. Ardine, ok, c'est ça. Ardine de bête, vas-y, si tu veux là. On peut me parler en langage arabe, je sais pas quoi, j'en ai un foot bientôt, elle pourra plus, je vote Zemmour. Oh putain, et lui les gars, il me fume de rire, je le connais, je le vois souvent sur TikTok lui, parce que il est grave coté en ce moment, et non franchement c'est un génie, ce mec là il est très très fort, il est très très fort, donc premier TikTok grave validé, hein. grave validé, c'est très récent en plus. Hein. Téka, tu te rappelles pas de moi mon vieux frère? Non, t'as une manière de parler un peu bizarre là. Ouais, parce que j'ai bien fumé un jour. Oui, je suis à baiser le petit. T'as quoi aujourd'hui? J'ai bien fumé une clope. Voilà t'es trop Téka, voilà tu me casses les couilles. C'est un baiser le petit. Eh les gars, le petit, c'est un baiser de ouf. Il est fou, il est fou. Là, les gars, c'est un TikTok qu'on m'a envoyé, que j'avais déjà vu. Ouais, les meilleurs commentaires, oui, ça me tue de rire. Faites place, je dois aller bouillard. Je suis sur l'autoroute. Comment on ferait? Il est dans la merde, lui. La grosse, en fait, là, ça, arrête de snapper, les casse-up, la ville de gauche. Prenez le métro. Je vais prendre ta soeur, c'est le mieux. Ouah, c'est un baiser. La balette dans la 308, arrête de croire. La balette dans la 308. Je vous dis, les gars, les gens, ils ont pas de race. En vrai, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de choses, les gars, que j'ai reçu beaucoup de TikTok. Et il y a des choses que je pourrais vraiment pas mettre dans la vidéo parce que ça passera pas sur YouTube. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des trucs, c'est vraiment hardcore que TikTok il laisse et que sur YouTube ça passera pas. Donc je vais pas prendre le risque de le mettre. C'est très drôle, hein, mais je prendrai pas le risque de le mettre. Moi, j'ai failli gérer une meuf, mais j'ai déconné. En gros, j'étais derrière le DJ, tu vois. Elle était dans la foule et elle me faisait des eye contact, tu vois. On se regardait et tout. Du coup, j'ai. À dire, Amaru, c'est un goat. Hein. Et là, le DJ il lance Goutte d'eau de Nino, je crois. Et elle chante et elle fait les mêmes gestes que moi, tu vois. On était coordonnés, on se regardait droit dans les yeux, genre. Et à un moment. Qu'est-ce qui va nous sortir comme connerie Nino, c'est genre. Tu veux donner des coups de main? Allez, baisse ton père. Et moi, je lui ai fait ça à la meuf. Comme ça, je lui ai dit, allez, baisse ton père. Elle est partie. Et Amaru, t'es un génie. La vie de ma mère, c'est un génie, ce mec. C'est quoi ça? Oh, la mec, j'ai trouvé une voiture comme des ouvrages. Nique ta mère, monsieur. Nique tes morts. Vous avez entendu les gars derrière ou pas? Le bonjour, attends, je vous la remets. Il est dans la merde, le mec, c'est sûr. Ou alors c'est un coup monté, peut-être. Nique tes morts. Bonjour. Et lui, si c'est pas un coup monté, il est dans la merde, les gars. Il est dans la merde de ouf. Pas mal, j'avais pas vu celle-là. Lequel mec, il s'est fait knock? Wesh. C'est un fucking génie. Mais non. Yo, c'est un 2 millions de likes, les gars. C'est un putain de génie, le mec. Je m'assois au pire. En vrai, je suis pas difficile, je rigole pour tout et pour rien en même temps. Donc voilà, mais il y en a, vous êtes des génies quand même. Hein. Putain. Un nouveau truc Fortnite, les gars. C'est un montage. Q, je le connais. Eh, rebe des terres, tu me fumes aussi, putain. Au fait, les gars, j'ai oublié, mais bonne année 2022. Hein. J'espère qu'on va tout péter ensemble en 2022. Et j'espère aussi fortement que tout se passe bien de votre côté. J'espère que 2022, ça sera mieux. On espère. Mais en tout cas, voilà. Bonne année, la famille. Prenez soin de vous. C'est très, très important. J'ai oublié de le dire au début de vidéo. Je suis vraiment indigne comme youtubeur. Mais voilà. Bonne année à vous, la famille. C'est bon. T'as écouté un peu? J'étais à Caen vendredi, j'ai pas pu. Caen? Je t'ai dit, ils aiment trop mes blagues chez moi. J'aurais percé en humoriste. Maïs, il est vraiment fou aussi. Maïs, c'est un ouf. Oh, les gars, on tombe sur un classique là. Allô?
Ouais, gros fils de pute. Hey, t'es un enculé, toi. Toi, t'es un gros fils de pute. Sa mère. Quoi, mais putain, mais. On tombe sur un classique de chez classique, les gars, là. Fils de pute. Mais la putain de conne. Ta mère, elle, c'est une grosse pute. Les gars, on va mettre les choses au clair. Le bouseux The Kerry, c'était quand même le duo masterclass de l'époque, quand même. C'est déniqué. Eh, hey, le bouseux The Kerry, c'était vraiment l'un des meilleurs duos pour moi, je trouve. Les gars, là, on est sur clairement le boss des boss. Mohamed Henni, tout le monde connaît, bien évidemment. Tu sais quoi? T'es trop bien pour moi. Ouais, t'es trop qualifié. Ouais, je te mérite pas. Si, si, tu mérites, je t'aime. Non, tu mérites mieux. Y'a pas mieux que toi. Elle te quitte et te dit, t'es un mec en or. Je suis un mec en or et tu me plaques. Je suis en plaqué or, en fait. Voilà. Tu te dis quoi? Ouais, y'a un tas de filles qui rêveraient d'être avec toi. Elles sont où ces filles, menteuses? Y'a que toi qui veux de moi. Voilà que c'est vrai. T'as rien fait. Toi, tu l'as présenté à ta mère. Elle, elle t'a présenté à son chien. T'as rien fait à part un compte TikTok à deux. Elle te quitte. Voilà, au bout de 2 mois avec son nouveau mec. Elle est enceinte, mariée. Ils ont ouvert une start-up à deux, une SCI, une association. Ils ont 2 chiens, 3 grenouilles. Wow. 3 grenouilles, wesh, what the fuck. Eh, hey, Mohamed Denis, c'est un crack aussi. Il y a aussi quelques vidéos que j'ai sélectionnées moi, genre que moi j'ai vues, que je vous montrerai à la fin. Pour l'instant, on va se baser sur les abonnés, tu vois, logique. Je crois que les gars, vous aimez vraiment bien Amaru. Hein. Je pense que vous aimez bien Amaru. Mais en même temps, tous ces TikTok, c'est des masterclass aussi. Pourquoi un parachute, ça s'appelle un parachute? Là, je la connais celle-là. Sérieux, toi? Mec, un parachute, c'est pour parer une chute. Il est trop con, putain. Exactement, il a un parapluie. Oh, oh, oh. Mais tout prend de sens. Mais attends, mais tout prend tellement sens maintenant. C'est un génie. Il est très drôle. Franchement, ce mec-là, putain, très très drôle. Hein. J'aurais pu lui rentrer un uppercut. Je vais manger, j'arrive. Pour ceci, qu'il arrive à 23h30. Ça, c'est Swayze. Quand il me dit oui, j'arrive, tout ça, il arrive 2 heures après à chaque fois. Tout le temps, les gars. Alors, qu'est-ce que c'est que ça hein? C'est stylé, je pense. On a démonté une mouette encore, regarde. Nous arrivons en Martinique dans 15 minutes et nous arrivons à la Martinique. Oh, mais c'est pas mal. Hey, les montages comme ça, c'est chaud en vrai. C'est grave bien joué, là. Pas mal. Vraiment pas mal, pas mal, pas mal. Encore, on a un classique, les gars. On a un classique, la boiserie. Quatre petites femmes. Maman, tu vas voir, je vais me lister le chez. Bon, on va dire un surimi tellement. Un surimi. Le surimi, je vais le mettre dans le bon sens, je le dis directement. J'arrive ici, je vois pas 4 règles, les gars. Alors, je lui dis, ah, vous êtes 3 fois, qu'est-ce que vous faites? 5 minutes après, chronomètre. T'es en train de la bouillave dans l'eau de la Loire, contaminée par la piste de Ragondelle, sur le centre de mort, c'est vrai ou pas? J'appelle mon copain Ranine. J'ai dit, Ranine, viens là. Maman, il s'est acheté à poil, il a bouillé avec 4 ou 5 déjà. La boiserie, c'est vraiment drôle aussi. Franchement, les gars, la boiserie, c'est grave drôle. Les gars, j'en profite. N'hésitez pas, petit instant promotion. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, ça fait grave plaisir. Si vous avez kiffé la vidéo, toujours, petit pouce bleu. Si vous kiffez ma chaîne, petit abonnement. Si vous voulez me faire encore plus connaître, petit partage, enfin bref, ça a capté. Voilà, petit instant promo, merci beaucoup à ceux qui le feront, vous êtes les boss. Donc c'est un truc tout con, mais moi ça me fait vachement rire. Genre, en fait, cette mécanique-là me fait très rire. Premier jour en France. Deuxième semaine en France. Deuxième mois en France, Michto. Ah mais première année en France, rapidement, il est voulant, paysan, dans ta mouille, ça va aller, Les gars, je l'ai vu au moins 10 fois ce truc, mais ça me fait toujours rire parce que tout ce qui parle gitan, tout ça, moi ça m'extermine. Ça m'extermine de rire. C'est vraiment un truc que ça me fume. Ça me fume complètement. Là, j'ai liké ce truc là, c'est un classique. Salut Billy, je voulais juste te dire merci de nous transmettre ta bonne humeur au quotidien. Grosse force à toi, t'es l'un des rares streamers que j'adore regarder. Prends soin de toi et te force pas BG. Eh, je m'en bats les couilles de ton message. Let's go. C'est un baiser. Eh, hey, Billy, c'est un baiser. Donc t'as mangé des bonbons? Ouais, je crois que j'ai des bonbons au miel. Et c'est quoi du coup? Non, mais sur eux, j'ai marqué. Des boules anti-mites. Remange jamais ça. Des boules anti-mites, frère. Le papy, il a mangé des boules anti-mites, les gars. C'est de la merde, mais c'est drôle. En vrai, c'est de la merde, mais c'est drôle. Des rappeurs louaient des animaux super bizarres. Hein. Bon, ça se fait pas trop, hein, mais c'est drôle. Un ours. Maître Gims, il avait ramené un lion, je crois. Oui, NASA, il a ramené un éléphant. Sur ce son, là. Ah non, il a ramené Marwan. Okay. C'est un baiser, wesh. Là, je vous jure, les gars, ça a niqué ce mec. J'ai liké un truc aussi que j'ai bien aimé. C'est pas drôle, les gars, c'est pas drôle. C'est un truc que je trouve vraiment très stylé. C'est Pop Smoke X Nino. Je sais pas si vous avez déjà vu ce TikTok là. Incroyable. Franchement, c'est super stylé, les gars, vous allez voir. Bref, incroyable.
Les gens, c'est des putains de bâtards, mais les gens, c'est des génies, wesh. Les gens, ils me fascinent quand même, hein. Putain. Je crois que j'ai pété l'échappement, mon cousin. Mais je vais aller sur le bas-côté, je vais le rafistoler avec mes dents, quand même. T'inquiète pas, mon cousin. T'inquiète, j'ai trouvé un mètre au bord de la route, je l'ai arraché, j'ai fait un nœud. Comme ça, le club, il fait un don, mais c'est reparti. Putain, mon cousin, l'accélérateur, il est encore plus fluide qu'à l'origine. Sorti de concession Renault, guette comment je les fume, là. Oh là là. Voilà, franchement ça c'est plutôt pas mal. Les montages comme ça, les gens ils sont très très forts aussi, hein. JMK le boss, hein. Les mecs sont très forts en montage, je sais pas comment ils font, ils sont trop chauds, frère. Les gens, pour la modique somme de 55 000 euros, frérot. C'est hyper insolent. A few moments later. En vrai ça doit être dur à faire un montage comme ça, les gars. Après la famille, comme je vous l'ai dit, je peux pas mettre tous les TikTok parce qu'il y a beaucoup de choses qui seront pas acceptées sur YouTube. Parce que TikTok, on va pas se mentir, c'est un vrai monde de chiens, tu vois. C'est vraiment les gens, ils ont pas d'âme. Il y a un mec qui vient me voir sur Snap, il me dit « Selem Bassem, viens, on fait les flammes. » Les flammes, brûle-toi avec, sale connard. Sale connard. Il veut me brûler. Il vient, il me dit « Viens, on fait les flammes. » Les flammes. Et là, il nous reste un TikTok à regarder. Et ça, c'est un truc qui avait fait tendance, ouais, cet été, je crois. Cet été. Ouais, cet été. Cet été. Ouais, clairement, cet été. Ça a beaucoup, 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 beaucoup tourné vraiment sur TikTok. Ça me fait rire. En fait, tous les contextes sont drôles. C'est debout d'un mec. Voilà, c'est juste ça. C'est. Voilà. Clairement, c'est juste ça, les gars. C'est juste ça, en fait. Bon, du coup, la famille, comme vous avez pu voir, on a vu pas mal de TikTok. Donc, je remercie vraiment tous les abonnés qui m'ont envoyé des TikTok, les gars. Comme je vous l'avais dit, faire attention, pas envoyer des trucs trop hardcore, trop trash, tout ça, parce que malheureusement, ça passe pas sur YouTube. Sur TikTok, les gens, ils ont pas d'âme, on le sait très bien. Donc, on s'est contenté du minimum, parce qu'il y a plein de trucs que j'aurais bien aimé vous montrer, que je peux pas vous montrer, malheureusement. En tout cas, on conclut cette année 2021 et on commence cette année 2022 avec cette petite vidéo-là, les meilleurs TikTok de 2021. J'espère que vous avez kiffé, c'était une petite vidéo chill vraiment pour ce début d'année-là, pour retracer un peu l'année 2021 au niveau des TikTok qu'il y a eu, qui a marqué un peu quand même l'année 2021, quoi. Donc voilà la famille, j'espère que vous avez kiffé. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Pirate, et ciao tout le monde, bye!